Tu savais que dans GTA V, hein, si tu dépasses les limites de la carte, ton véhicule sera détruit et tu vas te retrouver seul dans l'océan jusqu'à ce qu'un requin vienne te rendre visite pour te dévorer. On va voir ce que ça fait de dépasser les limites de la carte de 8 jeux vidéo. Dans Subnautica Below Zero, tu vas faire apparaître un énorme monstre aquatique et lorsqu'il viendra t'attaquer, il va détruire ton véhicule. Dans le jeu sport, si tu dépasses les limites, tu vas lancer une mini cinématique où tu verras ta petite créature se faire avaler par un immense monstre marin. Dans Serious Sam 3, une créature du désert aussi haute qu'une montagne viendra te dissuader de traverser les limites de la carte. Mais si tu n'en fais qu'à ta tête, la créature finira par te mettre KO. Dans Crysis, tu verras aussi un requin te rendre visite quand tu auras atteint les limites du jeu. Dans Mafia 2, tu verras des textures complètement buggées. Il n'y aura plus vraiment de sol et les bâtiments flotteront dans les airs. Dans Far Cry 6, si tu franchis les limites de la carte et que tu quittes la map, le jeu prendra fin et lancera une cinématique. Dans Red Dead Redemption 2, tu vas aussi te retrouver face à des textures buggées. Et si tu continues d'avancer, tu tomberas sous la map dans une immense étendue d'eau.